my chocolat to sleeping after baby challenge. Ok, je sais pas ce que j'ai, je me suis dit, maintenant à chaque nouvelle intro, je vais faire un accent d'une autre langue. Je me désespère des fois. C'est pas grave, bref, on se retrouve pour l'épisode numéro 119 du 100 Baby Challenge. On est à 47 bébés, je pense que Pierre va pondre dans cet épisode. La dernière fois, les jumeaux ont grandi et je pense que les triplés sont bientôt adultes. Enfin, on verra tout ça dans le jeu. On se retrouve là-bas. Waouh! Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai relooké les petits et du coup, j'ai fait avancer un petit peu le temps parce qu'ils dormaient et on s'en fout un peu quand ils dorment, hein, très, très honnêtement. Du coup, ils sont tous cassés à l'école. Ils sont dans un état lamentable, hein, comme vous pouvez le constater. C'est ignoble, mais c'est pas grave. Et on est avec Pierre. Qui, je sais pas ce qu'il fout ce coup. Il fait rien, voilà. Mais il va aller pisser. On va s'occuper de lui, le petit Pierre. Hein. Il est 11h, donc on est encore un peu tranquille. Par contre, là, le troisième trimestre, je sais pas ce qu'il va nous pondre, les gars. Mais à mon avis, ça va être sympa. Ah, la bonne. Alors oui, à propos de la bonne... Catilina m'a conseillé de retirer tous les jouets parce que sinon elle allait faire chier avec ça, donc c'est ce que j'ai fait. Et là, elle a intérêt de faire le ménage comme il faut. Bon, ça a l'air de bien fonctionner. Aussi, vous m'avez dit que je pourrais mettre les vérandas, donc j'ai pas encore les saisons là. On est le 20, donc ça sort dans 2 jours pour moi. J'avais dit que je tournerais pas avant les saisons, mais si, parce que j'ai un peu de pitié pour ma monteuse et je me suis dit que j'allais pas lui donner l'épisode genre 2 jours avant pour qu'elle le monte, enfin qu'elle ait un peu le temps et l'envie, et puis si comme ça s'il y a un souci, elle est tranquille et moi aussi. Donc bon voilà. Et ma monteuse qui est ma meilleure amie au passage, elle j'ai obligé à rien, hein, elle a pas le couteau sous la gorge, elle m'a gentiment proposé, tiens, est-ce que tu veux, ça a l'air marrant, voilà. Et elle le fait pas à chaque fois non plus, il y a certaines vidéos que je monte, etc. Oui, non mais je vous entends là, à dire « Hey, Lupina, elle a 2000 abonnés, elle a une monteuse, c'est quoi cette arnaque, c'est pris pour Squeezie ?» Non, pas du tout. Pas du tout, c'est un concours de circonstances. Voilà, il fallait qu'on en parle, je pense. Donc c'est bon maintenant. C'est bon, c'est fait. Alors, depuis tout à l'heure, je veux que Pierre cuisine, mais je le fais pas cuisiner. Donc c'est pratique, tu vas faire ça, tiens. Oh, qu'est-ce que c'est bordel? Pourquoi c'est réduit les plats? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça doit être la mise à jour des toits en verre ou je sais pas quoi, là. Mais pourquoi, pourquoi c'est moins cher? Ah, parce que j'ai des aliments, peut-être. Peut-être parce que j'ai déjà des aliments dans le frigo, parce que c'est vrai que les gars, là, la famille m'a envoyé des trucs, notamment des jouets et des graines. Et peut-être... Et les graines, enfin les graines, les fruits qu'ils m'ont filés, je les ai foutus dans le frigo. Bon, Pierre fait à manger, c'est passionnant, franchement. Nono, si tu veux couper, vas-y, hein, parce que... Alors on va ignorer les cons, on va continuer de courir et on s'en carre le cul. Alors ça dit quoi, gain de performance et toi, voilà, bon bref, on s'en bat les steaks. Je sais, ma voix mélodieuse vous avait manqué. Merci aux nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne d'ailleurs, ça fait zizir d'avoir des nouveaux gens. Et elle a fini ses plats? Ah oui, elle est là, la soupe, là. Hop, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là, mais c'est pas possible. Attendez, je prends ma voix de SNCF. Comme un fou, comme un soldat. Nous avons trouvé une lettre... Je le fais mal, là. Je sais pas pourquoi je le fais mal. Nous avons trouvé une lettre d'amour de Natsume à son instituteur dans son bureau. Rien d'osé, mais nous avons pensé qu'il valait mieux vous prévenir. Il va avoir de gros ennuis, c'est inapproprié, nous en discuterons. Ne punissez pas l'amour. Oh bah attendez, mais Pierre va dire ça, forcément. Non, puis c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, à partir du moment où ça va pas trop loin... Attends, Natsume, c'est un enfant, quand même. Oui, bah c'est pas grave, les gosses, c'est amoureux de tout et n'importe quoi, ça lui passera. Pff. Oh là là. Non, mais en vrai...
En vrai, oui, ça lui passera sûrement, on s'en fout, c'est un Sims, mais bon, ça doit être particulier quand même que des proviseurs ou un truc comme ça. Alors, j'ai un éclairage de merde aujourd'hui parce que c'est super lumineux dehors. C'est lumineux, il fait tout gris, hein, c'est la Normandie, mais, mais bon, et qu'est-ce que je disais? Oui, quand t'es adulte et que t'as les gosses qui sont là, je suis amoureux de toi! Oui! D'accord. Mais je pense que ça doit être plus malaisant quand les gosses sont au collège ou au lycée que quand ils sont en primaire, tu sais, ou en maternelle, parce que bon, en primaire ou en maternelle, enfin voilà, quoi, t'es amoureux de tout ce qui passe. Oh mon Dieu, il m'a donné un bonbon, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, ouh! Oui, c'est Sly. Bon, Pierre va manger, c'est cool. Bah, je vais prévoir un peu là pour les gosses. Oh putain. Oh là là, et on est jeudi. Oh la pauvre. Ah la pauvre. Écoute, tu vas aller prendre une douche et te coucher, hein, parce que là, ça a l'air quand même assez violent. Ned, Bonnet, ça va. Ça va, il va juste prendre une douche et faire ses devoirs. Chibi, ouais, bah alors Chibi. J'avais pas trop d'espoir pour toi, ma pauvre vieille. Bah, les gamins, par contre, ça va. Ouais, bon, le divertissement est horrible, mais sinon, ça va. Bah, tu vas jouer à un jeu vidéo, tiens. Voilà. En rentrant. Et Pierre, bah Pierre, ça va, hein. Pierre, il fait sa petite vie, pépouze. D'ailleurs, je pense qu'il va accoucher. Alors, il va accoucher. Alors, qu'est-ce que c'est? Les notes sont en hausse. Oh! Au revoir, président. Au revoir, président. Eh ben, vous savez quoi? Je vais les faire grandir tout de suite et ils sont bien en hausse tous les trois. Ah. Ah. Ouh, parfait. Donc, toi, tu vas souffler les bougies. Ned, tu vas venir aussi. Et puis, Chibi, après. Et on va être tranquille. On va la faire dégager direct. Direct. Pas le temps, quoi. Pas le temps de niaiser. Toi, tu vas jouer avec ton frère, par contre, pendant ce temps-là. Allez, Zouille. Souffle. Souffle. Elle c'est quand même très, très mignonne. Mais en fait, quand ils sont ados, j'ai l'impression que je les garde 2 jours et c'est tout. Ce serait bien que tu grandisses par contre. Voilà, merci. Hop, tu es sûr d'elle. Allez, hop, au revoir. Ned, souffle. Souffle. Ah. C'est ainsi que Chibi est décédé, le cul en l'air dans la cuisine. Allez, Ned aussi souffle, c'est génial. Tu vas remettre juste des bougies après. Et aller là. Voilà, je sais pas ce que j'ai mis. Et Chibi, c'est ton tour. Allez, fonce, Alphonse. Et on les dégage direct. Direct, on n'a pas le temps. Allez, on se dépêche. Allô le jeu! Allô le jeu! Est-ce que tout va bien? Allô le jeu! Ouais, voilà. Chibi est une machine à danser. Wouh! On va remettre le gâteau au frigo et du coup je me débarrasse d'eux, hein, parce que... Attendez! Il n'y a pas de petit profit, on va vendre leurs bouquins. Et après on se débarrasse d'eux. La meuf pour 3 dollars, quoi, c'est... Enfin, Steam Plus, pardon. Bref, vous avez compris. Voilà, et bah, je vous reprends quand c'est fini. Enfin, quand je les étais. C'est génial, Nono, hein. Et tu te tapes ça? Et nous revoilà. Donc c'est bon. Bon, ils sont encore là, hein, mais ils sont plus dans le foyer, comme vous pouvez le constater. Donc on est vraiment là, tranquille, de chez tranquille. Donc les petits, c'est bon, vous allez faire vos devoirs. Et plus vite que ça, s'il vous plaît. Allez. Il est parti où, lui? Sur la table, très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore, gros galop ragrane? C'est pas possible, ce chat. C'est pas possible!
Est-ce que c'est bon? Faut qu'ils soient à 4 en tout, quelque part. Donc, faculté motrice, ils ont... Ouais, ok, bah, ils seront en faculté motrice, ils retourneront jouer après, hein. Comme ça, ce sera fait. Jouer multijoueur avec bah, Samy Pierre, tiens, tant qu'à faire. Oh putain, il est encore parti pisser dans le buisson, ce mec. Mais JPP. Allez, les enfants, on se dépêche. Ça va assez vite les devoirs quand ils sont petits. Ils sont tous partis, les trois autres? Bah, faut croire. Bah, tant mieux, hein, ça nous fait des vacances. Ils ont même pas dit au revoir, enfin, ils ont même pas dit c'était très sympa, à plus. Bah, d'accord, hein. D'accord, très bien. Sublime. Lol. C'est long. Il est chiant, ce chat. Il n'y a pas de travail supplémentaire à faire, je suppose. Bon, ils ont faim, mais c'est pas très très grave. Enfin, ça va encore. Pierre, tu joues avec eux, s'il te plaît? Hop. Et toi aussi, gamin? Gamin. Ouh, c'est lequel? C'est Samy, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Bah, écoutez, c'est vachement vide, hein, je trouve. J'espère que tu vas bientôt accoucher, Pierre, parce que... J'aimerais bien savoir la gueule qu'auront tes mouflés, enfin comment ils sont, combien il y en a surtout. Ça se trouve, il y en a qu'un et je serais tellement déçue. Mais tellement. Oula, mais ça va vite tout ça. C'en est où? Ah, il est 4-2, c'est pour ça. Annie, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais pourquoi vous jouez plus, bande de macaques? Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Hop. Allez, on joue. Zouzou. Voilà, donc ça c'est très bien, il est à 3. Et lui, ouais, bah lui il est loin. Putain. 50%. Oui, parce qu'il faut qu'il soit à 4 pour avoir le A après. Et tant qu'à faire, bah autant. Mais putain, c'est chiant là par contre, les gars. C'est très chiant, jouer à ça. Continuez de jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais Pierre, on t'a pas demandé d'aller vadrouiller là, il est con lui ou quoi? Oh putain, le chat fait des conneries. Heureux! Il m'avait fait du sport, cette andouille. Il faisait n'importe quoi, là. Ah, je n'ai pas couru après, hein. Mais bon. Il me faut pas grand-chose pour être KO. Ah, il est parti pisser. Très bien, Pierre. Va pisser. Je vais quand même vous faire manger. Vitef. Ouvrir bah, la soupe là. Manger la soupe. Voilà. Toi, tu prends une portion. Ils en sont à combien les chiards? Ouais, bon, j'attends juste que Natsume soit au niveau 4. Et après. Putain, ils ont arrêté avant, mais. Et vous me gonflez, mais d'une force. Hop. Voilà, bon, lui, c'est bon. Va manger. Et Samy, bah, Samy essaye de continuer. Non, 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 Pierre, j'aimerais bien que tu manges avant. Mais il m'a pas écouté, ce con. Voilà, va manger, ça va bien se passer. Allez, hop. On dirait que Natsume a du mal, blablabla. Ouais, bah, c'est pas grave. Bon, Samy, tu te dépêches? Allez, Samy, on se dépêche. Zouzou. Ah, il est bien, il a bientôt fini. Yes. C'est bon. Allez, hop. Prends une portion. Natsume, c'est bon. Bah, tu vas venir aux toilettes déjà pour commencer et te coucher. Non, attends, une petite douche. Non, attendez, une douche rapide, ça sera mieux. Et après au lit. Et toi, ouais bah toi aussi, hein, toilette, douche, non pas méditatif, je me suis encore trompée. Douche rapide et au lit. Voilà, Pierre, si tu peux ranger les trucs. Il a du mal à manger avec des baguettes. En même temps, manger une soupe avec des baguettes, je suis pas sûre que ce soit très... Ah merde, il s'évanouit le con. Pauvre Pierre. Non mais. Mais il me fatigue. Non mais, gars, je t'ai dit d'aller te doucher. Ah oui, c'est parce qu'il est passé mal à l'aise entre deux.
toi tu t'es douché, ouais c'est bon. Bon allez Pierre là, dépêche-toi, fais vite fait la vaisselle. Quoi, il a encore envie de pisser? Mais il fait que ça le mec, bah va pisser. Pas dans le buisson, putain, mais c'est... Bon bah fais-toi dessus, c'est pas grave. Oh, il me fatigue, il me fatigue. Allez, va te doucher. Et après t'iras accoucher quand même. Ah bah non, il accouche tout de suite. Bon bah, oh putain, ça va être des jumeaux. Génial, 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 génial. C'est un garçon, encore. Pierre nous pond que des garçons. Alors du coup, qui sait que ça va être? Qui sait que c'est-il que ça va être? Eh ben, ça va être... Merci, mère. T'es dans un bébé. Je crois qu'elle est de M. Voilà. Oh putain, une fille. Oh là 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 là. Ah, y a trop de choix. Y a trop de choix. Eh ben, écoutez. Qui va avoir le privilège de se faire insulter? Ça va être Payette. It's been a long day without you, my friend. Oh mais non! Je me suis dit, faut pas que je retire les triplés parce que sinon je vais avoir une chance d'avoir des triplés. Mais je me suis dit, non, mais c'est trop gros, je peux pas avoir des triplés autant de fois de suite. Je sais pas si je dois rire ou pleurer, je vous avouerai que j'ai beaucoup d'émotions qui se mélangent en ce moment. Et je sais pas trop. Oh mais c'est pas possible quoi. Oh my god. Bon bah Miss Panda, tu vas te faire insulter aussi. Voilà. Oh my god quoi, mais non. Mais Pierre, Pierre, non. Oh là là, il en manque un. Ah non c'est bon, j'ai eu trop peur en mode putain il en manque un. Pourquoi elle, elle est verte et eux blanc, enfin jaune. Enfin voilà, vous avez compris. Bref. Oh là 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 là. Oh non, je sais même pas qui c'est leur père. C'était qui leur père? Ah mais putain, c'était ce putain de facteur de merde. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les prochains épisodes, je vais vraiment rager beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait encore le chat? Mais il fait que des conneries. Je reviens. Aïe aïe aïe. Oui c'est bien, t'as des enfants. Tu peux juste aller te laver avant. Parce que qu'est-ce qu'il y a encore? Avoir un bébé, oh, bah c'est bon là, il les a eu ces bébés hein. Oh my god. Oh mais au secours. Au secours quoi. On était enfin débarrassés des triplés et ils nous repondent des triplés. Mais je suis maudite des triplés ou quoi? Eh vous savez ce que ça veut dire? Je viens de tilter, mais ça veut dire qu'on est à 50 bébés. Ça veut dire qu'on a fait la moitié en 3 ans. Du coup, je sais pas trop si j'aurai la patience d'aller jusqu'au 100, je vous avouerai. Hein. Donc, je sais pas trop si j'arrête la série à 50 ou pas. Je vais réfléchir très sérieusement parce que c'est quand même long, mine de rien. Et je crois pas connaître quelqu'un qui ait fini ce challenge. Que ce soit sur YouTube ou en privé. Les gens décrochent toujours au bout d'un moment parce que c'est tellement long, mais sans bébé, c'est tellement long. C'est... En plus, c'est... Comme j'ai dit, c'est pas le truc le plus passionnant, quoi. Ils pondent des chiards, et ils grandissent, et voilà. Bref. Je vais vite fait m'occuper des petits avant qu'ils me cassent les couilles. Donc nourrir au biberon, voilà. Oui, bah 2 secondes, il peut se laver quand même. Oh là là, même pas... Non mais regardez ça quoi, même pas le temps de se laver. Oui Grougal, c'est inadmissible. Allez, dépêche-toi Pierre quand même. Oh là 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 là. Bon alors voilà, nos 3 petits chérubins. Bon, ça suffit. Oh. Et au lit.
Oh là là, mais encore des triplés, mais... Oh, au secours. Putain, mais il s'évanouit, mes connards, je te dis d'aller au lit. Oh, vas-y! Oh, bon, sur cette joyeuseté, on va se laisser. Oh my god, j'en ai marre! J'espère que l'épisode vous aura plu quand même. Moi, je vous envoie plein de cœurs et de paillettes. Je vous dis à la semaine prochaine avec les saisons, du coup. Et salut!